Amables téléspectateurs, merci et bienvenue à votre émission de chaque jour, Grande Analyse, cette émission qui est au cœur de l'actualité. Nous sommes là pour vous informer et vous donner toutes les actualités de ce qui se passe en République démocratique du Congo, actualités politiques, sportives, culturelles et tant d'autres actualités. Et vous qui avez aussi besoin de communiquer, notre plateau est là et ce plateau vous attend pour venir communiquer par rapport à votre structure, à votre ONG, à votre parti politique. Appelez-nous, nous sommes là et nous sommes prêts à vous servir. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Vous êtes dans le fin fond de Mayombe. Nous vous disons bonjour, vous qui nous suivez très loin, vers le Kasaï ou le Haut-Katanga, le Lualaba. Nous vous souhaitons une très bonne journée parce que nous sommes là pour partager avec vous toutes ces actualités de la République démocratique du Congo. C'est vrai que l'actualité de cette demi de la semaine reste dominée par l'organisation du 9e jeu de la francophonie. Le 9e jeu de la francophonie, on continue à en parler parce que c'est une première en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas encore vécu, en tout cas moi je parle de moi, je n'ai jamais vécu une organisation de telle envergure et nous disons chapeau bas aux organisateurs et dans tout ça, c'est la République démocratique du Congo qui gagne. Sur ce plateau, j'ai un invité, c'est un habitué de ce plateau, il s'appelle Christian Mayasi, il est cadre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Avec lui, nous allons parler de l'assassinat de Chérubin Okende. Où en sommes-nous aujourd'hui avec tout ce que les experts ont dit après l'autopsie? C'est vrai que ça sera pour la première fois qu'on essaye de toucher le fond parce qu'on cherchait à avoir quelqu'un du regroupement politique de notre regretté honorable qui nous a quittés, qui a été abattu lâchement. Mais bon, ça fait mal, mais c'est la volonté de Dieu peut-être qu'il essaie. Et puis en dehors de ça, nous parlerons du processus électoral. Nous sommes à 4 mois. Nous allons aussi savoir comment est-ce que l'Ensemble pour la République se prépare à 4 mois des élections, bien qu'ils soient encore en deuil. Est-ce que nous ne les avons pas vus aussi avec cet engouement? C'est vrai qu'il y avait le deuil. Est-ce qu'ils sont allés déposer des candidatures pour la députation nationale? Ce sont des questions que nous allons essayer de débattre avec notre invité à qui je m'en vais déjà dire bonjour. Oui, bonjour Monsieur Alain, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. J'espère qu'on aura vraiment un bon moment de partage et d'information. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ça... On commence par le jeu de la francophonie. Nous avons vécu tous au rythme du 9e jeu de la francophonie. Du point de vue organisation, qu'est-ce que vous pouvez relever comme faille ou mérite? Bon, déjà, les jeux de la francophonie, on a eu 3 comités d'organisation. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le comité qui a organisé ces jeux, c'est le 3e comité. Donc le premier, il y avait monsieur le DJ, là, je ne me rappelle plus le nom. Il y a eu un deuxième et là, nous avons un 3e comité. Cela signifie qu'il y a eu un problème. Il y a eu de l'argent des contribuables congolais qui a été détourné ou utilisé de manière un peu désordonnée jusqu'au 3e. Et pour le 3e, il a fallu que le chef de l'État descende lui-même sur terrain 4 fois parce que il constatait, comme nous tous, que les travaux n'avançaient pas. Même au début des jeux, on a vu que pendant que les jeux ont débuté, il y avait aussi quelque chose qui ne... quelque part où ça n'allait pas. Un problème d'eau s'est posé, un problème de terrain d'entraînement. De terrain d'entraînement. Il y avait la peinture qui était en train de se mettre pendant que les jeux étaient en train de se passer. On a vu aussi pendant le jeu qu'il y a la restauration qui a été confié à des entreprises étrangères. Françaises surtout. Parlons de ça. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une main-d'œuvre congolaise qui pouvait... Non, non. Moi, je suis pour. J'étais pour que si on aurait pu recourir aux étrangers pour ces services-là, il fallait qu'on prenne des étrangers qui sont basés chez nous ici. En République. Parce qu'il y a des Français, des Belges, des Italiens qui ont des restaurants chez nous ici, qui payent des impôts chez nous ici. On aurait pu leur donner ces marchés-là plutôt que de donner à des entreprises étrangères qui ne contribuent pas au fonctionnement de notre pays, qui ne payent pas des impôts ici. Et puis, ça allait être aussi une occasion pour nous
faire découvrir aux autres la cuisine congolaise. Nous avons une cuisine extraordinaire. On aurait pu mettre en valeur aussi notre Matembele, notre Pondwa Limbondo, notre Moussaka et tout ça, plutôt que d'offrir des repas 100% étrangers. Donc pour moi, mais du moins les jeux se sont tenus, bien que nous avons donné l'impression que c'était beaucoup plus une kermesse de la francophonie plutôt que... Comment ça, une kermesse de la francophonie? Non, mais aujourd'hui, le Congolais ou le Quinois retiennent beaucoup plus le côté culturel et sportif. Il faut bien le dire, c'était Fali contre Fer et pendant la francophonie, pendant que la francophonie, c'est aussi la promotion de la langue française, la promotion des droits de l'homme, l'unité entre le peuple, la littérature et tout ça. Tous ces autres aspects ont été mis de côté et nous avons beaucoup... Mais il y a eu des gens qui ont compétit par rapport de ce côté-là. Oui, mais on en parle moins. Moi, je n'ai pas vu le président de la République aller assister à une conférence ou à une activité ayant trait à la littérature ou à la peinture ou aux arts. Je n'ai pas vu ça. J'ai beaucoup plus vu le président dans le sport et dans la musique, ce qui n'est pas mauvais aussi. Oui, ce qui n'est pas mauvais. Oui. Mais est-ce qu'il pouvait se partager en mille morceaux? C'est vrai que ce que vous venez d'évoquer là peut s'avérer vrai. Mais il avait aussi d'autres occupations. Mais la chose la plus importante, c'était qu'il a essayé de... Il n'a pas essayé, mais il a participé. Il a même évité ou annulé son voyage. Il y avait des activités de l'art et de la littérature qui se sont tenues. Qui se sont tenus à l'Académie des Beaux-Arts. Oui, moi, j'ai vu le cortège du président passer devant l'Académie des Beaux-Arts pour se diriger vers le Palais du Peuple ou le Stade de Martyrs. Vous pouvez aussi faire... Peut-être que c'était aussi un problème protocolaire. Non, parce qu'il a annulé son voyage au sommet ici à Afrique. Oui, je veux dire que dans l'esprit de Congolais, nous retenons beaucoup plus la musique et le sport. Or, la francophonie, c'est aussi ça. Je viens de parler de la promotion de la langue française. Aujourd'hui, nous sommes le plus grand pays francophone, on peut dire tout. Est-ce que les Congolais d'aujourd'hui parlent un bon français? Nous avons un problème. Nous avons des gens qui finissent les études sans parler un bon français, qui ont des problèmes de virgule, d'accent, des conjonctions et des articles, tout ça. Donc on aurait pu aussi faire la promotion de la langue française, évaluer aussi le français chez nous. Donc pour moi... je donnerai 5 sur 10 pour l'organisation, mais la sécurité. On n'a pas vu des échauffourées. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le volet sécuritaire? Non, pour les volets sécuritaires, je pense que c'était comme on n'a pas eu d'incident majeur. Donc, sur le plan de la sécurité, on a vu quand même que c'était bien. Mais prochainement, il faudrait, pendant l'organisation de ces jeux, faire en sorte que la circulation soit bien contrôlée. Parce qu'on a vu des embouteillages le long du stade de Martyrs, non loin de... sur le boulevard Sendoué, pour accéder au stade Tata Raphaël, c'était compliqué. Donc prochainement, lorsque nous aurons organisé ce genre d'événements, il faut penser plutôt aux routes secondaires. C'est-à-dire que si, au niveau du stade de Martyrs, ça sera compliqué, on peut nous ouvrir une autre route pour permettre une bonne circulation. Voilà, merci, c'était juste une introduction parce que le 9e jeu de la francophonie reste d'actualité. C'est une première en République démocratique du Congo. Espérons que peut-être que nous en aurons encore quand nous, peut-être, on aura... Surtout félicitations à Fali Poupa qui était vraiment à la hauteur de la cérémonie d'ouverture. Là, vous le dites en tant que natif de Bandal. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. Non, mais personne ne doute de la compétence de Fali. Sommes heureux d'avoir Fali Poupa comme musicien congolais. Si ce jeu de la francophonie s'était né au Canada, le seul Congolais qui allait être là, ça allait être Fali Poupa. Il faut être réel. Vous le dites, là ça l'engage que vous, Christian Mayas. Je sais que vous le dites en tant que natif de Bandal. Je ne rentre pas dans cette polémique. Revenons au sujet de notre émission. C'est vrai que nous sommes là, en train de parler, d'essayer de donner la gaieté. Mais du moins, nous débattons sur les questions d'actualité, des questions qui touchent la République démocratique du Congo. À ce jour, M. Chérubin Okende est décédé. Parce que il a été assassiné. À qui a profité ce crime ou à qui profite ce crime? Jusqu'à ce jour, la question reste pendante. Les experts ont fait l'autopsie, ils ont attesté que la balle qu'on retrouve sur le corps ou les balles
qu'on retrouvait sur le corps de M. Chérubin Okende ont été tirés après qu'il ait succombé. Donc il était déjà mort, mais les balles ont été tirées après. Monsieur Christian Mayassi, cadre d'ensemble pour la République, depuis que tout cela est arrivé, nous ne vous avons pas reçu sur ce plateau. Dites-nous, à l'heure actuelle, quelle est la tension ou l'état d'esprit du parti Ensemble pour la République? Bon, avant d'aborder cela, j'aimerais encore présenter mes condoléances à la famille biologique de notre camarade Chérubin Okende. Et courage à sa famille, à sa femme, ses enfants et ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Donc, nous avons appris, nous tous, avec tristesse, avec consternation, la mort de Chérubin Okende. Mais avant que Chérubin Okende ne soit retrouvé mort, il a été enlevé. Selon les informations que nous avons eues au niveau du parti, Chérubin Okende a été enlevé sur le parking de la Cour constitutionnelle. Au niveau du parti, déjà à la veille de la découverte de son corps, on avait des informations que Chérubin Okende a été enlevé. Au niveau de nos groupes WhatsApp du parti, cette information nous l'avons. Et jusqu'à des heures tardives, la femme de Chérubin Okende est entrée en contact avec le secrétaire général de notre parti. Pour dire que voilà, mon mari s'est présenté à la Cour constitutionnelle, accompagné de son garde-corps. On ne l'a pas vu, on n'a aucune information sur l'endroit où il serait. Son numéro sonne à vide, c'est-à-dire qu'on appelle, le numéro ne répond pas. Le secrétaire général de notre parti dira que lui non plus n'a pas d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en ce moment-là? Le secrétaire général de notre parti a fait un tweet pour dire, à 22h42, pour dire que, voilà, Chérubin Okende a été enlevé, selon les informations que nous avons, c'est au niveau du parking de la Cour constitutionnelle. Tard dans la nuit, vers 23h minuit, on entend un audio d'une fille qui pleure, soi-disant son père, qui est mort parce qu'il aurait des problèmes d'ensemble. Avant même que le corps de Chérubin soit retrouvé, ces audios-là circulaient sur les réseaux sociaux. Bon, on s'est dit peut-être que c'était des rumeurs, on sait ce qui se passe ici. Le matin, on se réveille, on constate tous que le corps de Chérubin Okende a été retrouvé quelque part, vers Poids Lourd, avec, dans sa voiture, avec du sang et tout ça. Notre première question, notre première réaction, Moïse Katumbi l'a dit, qu'il s'agissait là pour nous d'un assassinat politique. Pourquoi il s'agit d'un assassinat politique? Pourquoi nous le disons, nous, Ensemble pour la République? Parce que ça fait un bon moment que le camp Katumbi subit des injustices de la part de ce régime. Moïse Katumbi arrive ici pendant la marche du 20 mai. Son cortège est caillassé par les forces de l'ordre, appuyé par la brigade de forces du progrès de l'UDPS. Après cela, Salomon Escadela venait d'être enlevé. Il a rempli toutes ses formalités au niveau de l'aéroport, tous les contrôles. On vient le chercher et on a vu ce qui s'est passé. Une Jeep blanche est venue, on l'a mis et puis on l'a emmené vers une destination inconnue. Ce n'est qu'après près d'une semaine qu'on saura qu'il a été retenu à la DEMIAP. La loi nous dit que toute personne arrêtée doit être informée du motif de son arrestation. Salomon ne savait pas. Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? Il a été interdit à ses avocats de le voir, à sa famille politique de se voir, même à sa famille biologique. L'honorable Mike Moukebaï, devant sa parcelle, a été cagoulé, enlevé devant ses enfants et sa femme, emmené vers un endroit qu'on a connu un peu plus tard. Lui aussi, il a subi la même chose. Interdit d'être visité par ses avocats, ni sa femme, ni même sa famille politique. Moïse Katumbi veut se rendre au Congo central. Sans raison aucune, il est interdit d'accéder au Congo central. On lui dit que vous ne pouvez pas aller faire une activité au Congo central. Sans raison aucune. Et quelques jours après, Chérubin Okende est convoqué à la cour. On
retrouve, il vient là, il s'est fait enlever et on retrouve son corps le lendemain, son corps sans vie. On se pose la question, pourquoi est-ce qu'on peut nous dire un seul parti politique qui a subi ce genre d'injustice durant le mandat de Félix Tshisekedi? Pourquoi Ensemble pour la République? Nous sommes le seul. Il y a beaucoup de partis d'opposition, mais pourquoi nous sommes le seul à avoir des arrestations arbitraires, même des assassinats? Pourquoi seulement nous? Nous avons la réponse, c'est parce que nous avons Moïse Katumbi comme candidat président de la République et ça ne plaît pas à nos adversaires politiques qui cherchent à affaiblir Moïse Katumbi. Ils ont tous compris que la loi Tchani ne passera plus. D'ailleurs, vous êtes journaliste, demandez aux communicateurs de l'Union Sacrée pourquoi on ne parle plus de la loi Tchani aujourd'hui. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est une loi qui avait comme objectif que d'écarter Moïse Katumbi de la course présidentielle. Maintenant que cette loi ne peut pas passer et que Moïse va tout droit vers le dépôt de sa candidature, il faut chercher d'autres moyens. Quels sont ces moyens? Affaiblir Moïse Katumbi en mettant mal à l'aise tous ceux qui sont autour de lui. Quand le procureur dit qu'il n'a pas vu M. Chérubin Okende dans la cour de la Cour constitutionnelle, vous pensez qu'il a trompé? Il n'est pas agent sécurité de la Cour constitutionnelle. Et puis dire que Chérubin Okende s'est fait enlever au parking de la Cour constitutionnelle, cela ne signifie pas qu'on accuse le procureur. Non. Son garde nous a dit qu'il est monté, il est descendu, il a trouvé son chef absent de là. Et puis, si nous allons dans l'option que, ou dans, la, dans l'hypothèse selon laquelle il serait le garde-corps, parce que le suspect dont parle le procureur n'est que son garde-corps. Quel est ce garde-corps-là qui tue son chef, entre guillemets? Il va encore voir la femme de la personne qu'il a tuée pour lui dire que non, on ne retrouve pas ton mari. Il repart à la Cour constitutionnelle pour vérifier. Il prend l'arme du crime, le laisse dans le véhicule et il ne prend pas fuite. Il reste là, il attend qu'on l'arrête. C'est trop facile comme conclusion, ces déclarations-là. C'est trop facile comme conclusion. Son garde du corps est une personne qui est dans le service de sécurité depuis longtemps. Il connaît l'importance de l'arme du crime dans une affaire pareille. Il ne peut pas commettre l'erreur de laisser son arme. Et puis, il ne prend pas fuite. Il est là, il va vers la femme de Chérubin, il donne des informations et tout ça. Et il se livre lui-même à la police. C'est trop facile comme conclusion. Nous nous posons aussi des questions. Les questions que nous nous posons, c'est la précipitation avec laquelle le procureur général près la Cour de cassation a donné des informations par rapport à la mort de Chérubin. Il nous dit... En interne, je vous laisse la parole, mais en interne, M. Chérubin n'avait pas aussi de problème avec... Il n'avait aucun problème. Nous considérons Chérubin Okende comme un homme pacifique. Il n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit au niveau du parti. Chérubin a démissionné de son poste de ministre de transport pour suivre la logique de notre parti qui ne faisait plus partie de l'Union Sacrée. Pour nous, c'est un héros. Pour nous, Chérubin Okende, c'est la personne la plus pacifique de notre parti. Il n'est pas conflictuel. D'ailleurs, il est très effacé malgré les responsabilités qu'il avait au niveau de notre parti. Donc, je reviens pour dire que le procureur nous a dit que Chérubin était mort par balle et que l'arme qu'il aurait tuée, c'est l'arme qui a été retrouvée dans sa voiture. Une semaine après, il revient pour dire qu'il n'avait pas confirmé. Il avait parlé au conditionnel. Mais on se pose des questions. S'il n'avait pas d'informations, pourquoi appeler la presse pour parler pendant que les enquêtes sont encore en cours? Nous nous sommes posé des questions. Le corps de Chérubin a été retrouvé ensanglanté. Pourquoi ses habits ont du sang et la ceinture de sécurité n'a aucune goutte de sang? Je pose des questions. Moi, j'ai fréquenté Chérubin. Tout le monde qui fréquente Chérubin sait que Chérubin ne porte, ne met jamais sa ceinture de sécurité. Curieusement, il va le mettre le jour de sa mort. C'est quand même louche. Et puis, le fait que le corps soit retrouvé à cet endroit-là, ça signifie que soit Chérubin lui-même est allé jusqu'à à cet endroit, soit il a été emmené. Ce sont les enquêtes qui nous diront ça. Nous avons trouvé
un peu louche de voir que le procureur, lui, confirme déjà, avant même que l'autopsie ne se fasse sur le corps de Chérubin, il confirme qu'il a été mort par balle. Or, l'autopsie n'a pas encore été faite. Il doit nous dire sur base de quel élément lui nous a donné cette affirmation-là. C'est ce qui pose problème. Il cherche à couvrir qui? Et puis nous nous disons que l'enquête doit commencer là où les déclarations ont été faites. On nous amène directement à la conclusion, Chérubin est mort par balle. Non, avant d'être mort, Chérubin a été enlevé. Commençons cette enquête au niveau du parking de la Cour constitutionnelle. Mais quand certains journalistes parlent de ces conflits qu'il avait, conflits parcellaires ou quelque chose de comme ça, je ne vais pas citer le nom de ce journaliste, mais je sais que vous êtes un accro dans les émissions politiques, vous suivez l'actualité. Il y a un journaliste qui a dit, j'ai suivi une émission, attestant qu'on lui a appelé par une personne qui vit à Mwanda, que M. Chérubin Okende a connu des problèmes avec quelqu'un parce qu'il aurait acheté une parcelle à conflit. Et peut-être, dans ses analyses, que c'est ce conflit-là qui pouvait l'amener à être assassiné. Vous, ensemble, comment est-ce que vous percevez ça? Bon, on perçoit ça comme une rumeur. Comme on entend beaucoup de choses sur la mort de Chérubin. Nous, ce que nous disons et que nous réclamons, ça veut dire que nous allons tenir compte des conclusions des enquêteurs. Voilà pourquoi Moïse Katumbi a sollicité une enquête indépendante internationale. Il faut que plusieurs nations qui sont outillées, habituées dans ces domaines-là de venir nous aider, et aussi la MONUSCO. Et là, nous avons vu des experts venir qui sont entrés en contact avec la famille. L'autopsie a été faite. Le scanner a été fait au niveau de HJ. Nous attendons le résultat. Parce que l'enquête ne consiste pas à connaître la cause de la mort. L'enquête, c'est aussi connaître les coupables, oui. les gens qui ont commandité ou exécuté ce meurtre. Donc, nous sommes confiants. Nous croyons que, quant à tout ce qui se dit, c'est tout le monde a le droit de donner sa version de fait. Mais nous, en tant que famille politique de Chérubin Okende, nous attendons la conclusion des enquêteurs pour que la vérité soit connue. Voilà, nous attendons la conclusion des enquêteurs pour que la vérité soit connue. Mais dans l'entretemps, le parti continue à fonctionner. Oui, dans l'entretemps. Dans l'entretemps, le parti continue à fonctionner. Oui. Les élections pointent à l'horizon. Mais on ne vous a pas senti dans la dépôt des candidatures. Est-ce seulement parce que vous êtes endeuillé ou vous êtes aussi dans cette logique de certains opposants qui commencent à boycotter ces élections? Non, nous ne boycottons pas les élections. C'est vrai, il y a de cela. Martin Fayulu, par exemple, qui a décidé de ne pas partir tant que le fichier n'est pas audité et tout ça. C'est aussi notre souhait. Nous aussi, nous partageons cette idée-là. Mais nous, par contre, nous nous sommes dit, autant réclamer toutes ces choses en avançant quand même. C'est-à-dire qu'on continue à réclamer l'audit du fichier, on continue à réclamer les bonnes élections, mais il faut à côté déposer nos listes, parce que ne pas aller aux élections, ça veut dire que nous laissons à M. Félix Tshisekedi l'occasion de maintenir le Congo dans cet état pendant 5 ans encore. C'est ce que nous n'avons pas fait. Nous avons un candidat sérieux, un candidat qui a de la popularité, qui a suffisamment de moyens pour battre campagne, qui a un projet de société qui répondra aux attentes de notre population. Cette personne, c'est Moïse Katumbi. Et les Congolais sont prêts à le choisir le 20 décembre. Donc, nous disons que nous sommes pour les élections. Nous avons déposé nos listes pour la députation nationale. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire du bruit dans le média pour ça. Vous êtes éprouvé? Oui, oui. Okay. Oui, vous affirmez que vous avez. Oui, nous avons déposé. Okay. Nous avons déjà dit, nous, ensemble pour la République, nous allons déposer nos candidatures à tous les niveaux. Donc, on aura des candidats députés nationaux, députés provinciaux, conseillers municipaux, sénateurs, présidents de la République. Nous avons comme candidat Moïse Katumbi Tshiapwe, parce que c'est lui que notre parti a choisi lors de notre dernier congrès. Mais à l'heure actuelle, l'audit du fichier continue à faire couler encre et salive. La CENCO et les CC, c'est donner à la CENI
pour essayer de faire cet audit s'ils ne veulent pas l'apport d'une autre organisation peut-être étrangère et ils se disent prêts pour essayer de faire l'audit du fichier électoral. Mais du côté de la majorité, ça sonne un peu mal. Ils se disent que l'Église ne peut pas s'y mixer à la gestion de la CENI. Alors, vous qui êtes acteur politique, membre de l'opposition, à ce jour, déjà, en suivant ce que M. Denis Kadima a dit, je ne vois pas à quel moment la CENI va faire appel à une organisation pour venir auditer le fichier électoral. Pensez-vous que si, à ce jour, l'Église catholique, c'est-à-dire la CENCO et les CC, faisaient l'audit du fichier électoral, on peut avoir un fichier électoral crédible? Bon, au fait, si la CENI n'a rien à cacher, elle ne devait pas avoir peur d'un audit. Surtout que les CC et l'Église catholique nous ont dit que l'audit qu'ils feront ne va pas empêcher que les élections se tiennent le 20 décembre. Ça veut dire que même s'ils font l'audit, nous aurons les élections dans le délai constitutionnel. Notre souhait à nous ensemble pour la République, c'était de voir un audit effectué par une organisation de renommée internationale, expérimentée dans l'audit des fichiers électoraux. Mais à la place, on a vu que la CENI est allée chercher des individus. Mais ils ont de l'expertise. Non, le mal est où? Non, mais nous voulons une organisation réputée dans ce sens-là, avec une personnalité juridique. Et puis, l'OIF avait rejeté. La CENI, est-ce que c'est d'abord sérieux que la CENI elle-même choisisse les personnes qui vont le contrôler? C'est comme si vous avez un financier ici dans votre chaîne, vous voulez faire un audit financier, et c'est le financier qui vous dit lui-même que c'est moi-même qui vais aller chercher les gens qui vont me contrôler. Donc Kadima est allé chercher ses amis et connaissances par-ci, par-là, qui sont venus, qui ont fait l'audit d'un fichier de près de 40 millions d'électeurs en 5 jours. Non mais nous disons que c'est pas sérieux. Et puis, le silence de l'UDPS nous inquiète. L'UDPS, pendant tous les processus électoraux que nous avons eus dans notre pays, l'UDPS a toujours eu des remarques à faire à la CENI. Pourquoi maintenant l'UDPS n'a plus rien à reprocher à la commission électorale indépendante? C'est quand même bizarre. Donc nous disons que Kadima, qu'il arrête d'abord de se comporter comme un militant d'un camp politique, qu'il se mette réellement au milieu pour nous offrir les bonnes élections. Les élections qui donneront vainqueur la personne que les Congolais auront votée. Et pour nous, cette personne, ça sera Moïse Katumbi Tshabe, parce que le régime Union Sacrée a déjà montré ses limites. À ce jour, ce climat qui se vit entre partis politiques dans cette pré-campagne, je l'appelle ainsi, comme l'a appelé le président de la CENI, Denis Kadima, il y a trop de tensions entre partis politiques. Nous avons vu le lynchage de M. Denis Sessanga au Kassai. Ici, nous avons vu cette bagarre entre militants de l'ECID et de l'Envol, parti cher à Adolphe Mouzitou. Aujourd'hui, j'apprends, quelqu'un m'a dit que sur Triomphal, il y avait ces militants de l'ECID et d'Envol qui se battaient. Est-ce que ce climat-là va nous permettre de mieux affronter ces élections? Ou, une autre question qui va suivre, est-ce que si on ne partage pas les mêmes convictions politiques, on devient des ennemis à se tuer? Bon, moi je pense que le vivre ensemble, la paix, l'unité, c'est construit et s'entretient. Ce régime n'a pas pu réunir les Congolais. Les Congolais sont aujourd'hui divisés politiquement, tribalement, provincialement, et ethniquement. Donc nous voyons que ce régime n'a pas pu offrir aux Congolais une unité ou la cohésion nationale. Moi je pense que lorsqu'on a le parti au pouvoir, le parti présidentiel, l'UDPS, qui a un secrétaire général qui affirme que on s'attaque à Félix Tshisekedi parce qu'il est kassaïen, ça signifie que nous avons un problème. Ça signifie que nous ne pouvons pas aller dans une élection où l'opposition ne peut pas organiser une activité et les gens qui sont au pouvoir laissent cette activité se dérouler de manière tranquille. Vous avez vu pendant la marche du 20 mai, où Gentil Ngobila,
qui souffre aujourd'hui avec Godin Poïla, mettre l'UDPS marcher le même jour que l'opposition et dans un même secteur, c'était quelque chose d'une décision irresponsable. Je pense que je l'ai dit sur votre plateau, oui. C'était déjà un moyen pour donner l'occasion à un affrontement. Aujourd'hui, venir au Kassai faire dire autre chose que du Fatih Béton devient quelque chose compliqué. C'est ça qui a été caillassé là-bas parce que il est opposant. Si c'est ça qui a subi ce sort-là au Kassai, lui qui est originaire du Kassai, alors qu'est-ce qu'on fera de Katumbi ou de Fayoul? Moi, je pense qu'il fallait plutôt que le président de la République, lui le garant du bon fonctionnement de bonnes institutions, puisse montrer cet exemple-là. Donc, je pense que on doit beaucoup plus interpeller nos amis qui sont au pouvoir, que vous êtes au pouvoir, vous avez choisi de soutenir Félix Tshisekedi, c'est votre choix. Nous avons choisi de soutenir Moïse Katumbi, c'est notre choix. Les CIDE ou le militant de les CIDE ont choisi de soutenir Martin Fayoulou, c'est leur choix. De même pour Envol pour Sessang. Tout le monde ne peut pas être tshisekédiste, non. Il faut qu'il y ait de l'opposition, il faut qu'il y ait du pouvoir. Donc aujourd'hui, nous assistons à des arrestations arbitraires. Il n'y a que des opposants qui sont arrêtés pour leurs propos. Quand vous parlez du côté du pouvoir, oui, on peut insulter Moïse Katumbi. Quelqu'un de l'Union Sacrée peut dire tout ce qu'il veut sur Martin Fayoulou ou Délis et Sanga. Il rentre chez lui, il dort tranquille. Toi, quand tu t'opposes aux idées de M. Félix Tshisekedi, on te traite de tous les mots, on t'envoie en prison. La cause, c'est qu'aujourd'hui, on a des arrestations inutiles. Salomon Iskadela est maintenu en prison inutilement. Moukeba est la même chose. Franck Diongo était là inutilement. On nous a dit qu'il était en contact avec le M23 et tout ça. Finalement, par honte, ils ont dû le relâcher. Nous exigeons, nous aussi, la libération immédiate et sans condition de Salomon Iskadela et de l'honorable Mike Moukeba. À l'heure actuelle, les quatre leaders qui se sont rencontrés à Lubumbashi, c'est vrai qu'ils partageaient la même vision, mais chacun d'eux est candidat en sa manière. Pensez-vous que ces idées du départ resteront les idées qui vont les accompagner pour aller aux élections et se trouver un candidat commun? Oui, je le pense. Parce que l'idée, ce n'est pas d'abord d'avoir un candidat commun. L'idée, c'est d'avoir un programme de gestion sérieux qu'on va présenter à la population. L'heure viendra où ce candidat-là sera choisi. Mais nous sommes à 4 mois. Oui, mais il faut travailler sur un programme. Connaître le problème du Congo. Vous savez, c'est très important d'avoir un programme avant. Parce que l'UDPS n'avait pas de programme. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire du Congo lorsqu'ils vont prendre le pouvoir. Ils n'avaient qu'un seul mot dans la bouche. Kabila doit partir. Et Kabila est parti. On a vu qu'il n'y a rien qui n'a été changé. Et on recourt même aux gens qui étaient avec Kabila, qui sont devenus aujourd'hui les piliers de l'Union Sacrée. Donc moi je pense qu'il faudrait plutôt consolider un programme sérieux qu'on va présenter à la population et voir un peu qui va porter ce programme-là à la population et qui sera choisi comme candidat commun. Donc je pense que les discussions ne sont pas encore à ce niveau et que si lorsqu'il y aura cette discussion, je pense qu'en toute responsabilité, le candidat sera choisi. Vous parlez des arrestations arbitraires. À ce jour, il y a des poursuites judiciaires qui continuent à venir ou à suivre au Augustin Matata. C'est quelqu'un, c'est le président du parti politique LGD. Mais du moins, vous partagez la même vision parce que quand les quatre leaders se sont rencontrés à Lubumbashi, Matata Ponyo faisait aussi partie. À ce jour, Luzolo Bambi dit qu'un premier ministre ou un ancien premier ministre peut être poursuivi par la Cour constitutionnelle. Du côté de l'opposition, on pense que c'est de l'acharnement. On cherche à baliser les chemins pour Félix Tshisekedi. Mais de l'autre côté, il y a les droits qui doivent être dits. Et dans tout ça, les Congolais ont perdu de l'argent sur le projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. En tant que politique, vous suivez chaque jour l'évolution et l'actualité de la République démocratique du Congo. Ma question est la suivante. Est-ce qu'à ce jour, c'est parce que Luzolo Bambi a travaillé avec Matata chez Kabila, est-ce qu'à ce jour, c'est parce qu'ils ne sont plus
ils ne partagent plus la même vision, que chacun commence à chercher à tirer sur l'autre. Parce qu'il y a le professeur Nyabirungu qui a aussi dit que Matata n'était pas justiciable à l'heure actuelle. C'est vrai qu'ils sont tous des professeurs, ce sont eux qui nous enseignent ou qui nous ont enseignés. Mais cette cacophonie qui existe par rapport à l'interprétation, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, moi, je dirais que Matata est victime d'une injustice parce qu'il a refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Et vous êtes sûr? Oui. Est-ce qu'on lui a proposé? Ce sont les propos de Matata. Et avoir tout ce qui est en train de se faire, je pense que Matata a raison. Et je pense même que Matata a eu raison du fait qu'il a refusé de se présenter à la Cour constitutionnelle. Peut-être que ça serait lui à la place de Chérubin. On ne sait pas. Je n'entre pas dans les détails. Moi, je pense que Matata, pour nous, est un citoyen congolais. La Cour s'est déjà prononcée qu'elle était incompétente pour juger Matata. On a changé de juge. Les décisions de la Cour ont dit que c'est irrévocable. Irrévocable. On a changé de juge et celui qui vient dit que non, 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 il peut être jugé. Mais au-delà de tout, on pouvait bien relancer Bukangalonzo pendant même que le dossier Matata allait être en justice. Ados Ndomba s'est allé là-bas, il a vu que les maïs sont en train de pourrir. On pouvait bien relancer cette histoire de Bukangalonzo. On pouvait bien continuer à produire du maïs. Et de l'autre côté, si la justice veut juger Matata, qu'il soit jugé. Surtout que Matata a dit que lui n'a pas eu cet argent-là. L'argent a quitté la Banque centrale pour aller chez ces investisseurs-là. Lui, il n'a pas touché un seul dollar de cet argent-là. Mais pourquoi aujourd'hui cet acharnement contre Matata en Ponce? C'est justement parce que Matata n'a pas voulu adhérer à l'Union sacrée et que Matata est candidat président de la République. Donc nous voyons que c'est la stratégie de l'Union sacrée. Lorsque Moïse Katumbi était dans l'Union sacrée, ses proches n'étaient pas arrêtés. Il ne subissait pas d'injustice, mais aujourd'hui, Moïse Katumbi décide de quitter l'Union sacrée. On sait ce qui se passe. Il y a des arrestations de ses proches, de ses collaborateurs. Lui-même est empêché de circuler dans la République. Nous pensons que c'est une stratégie qui n'apporte rien. Kabila l'a fait en voulant empêcher Moïse Katumbi d'être candidat ou de se présenter aux élections, mais ça n'a rien enlevé à la popularité de Moïse Katumbi. L'amour du Congo que Moïse Katumbi a ne changera jamais, il n'y a aucune circonstance qui peut changer cela. Donc Moïse Katumbi, pour nous, c'est la personne qui incarne l'espoir de notre nation. C'est en lui que nous plaçons notre confiance pour emmener le vrai développement que nous attendons tous. Le jour avance, nous avançons, mais certains, il y a une certaine opinion qui parle d'une transition à venir de 12 à 18 mois. Parce que j'essaie de faire foi à cette réflexion, j'ai analysé. À 4 mois des élections, la CENI se plaint qu'elle n'a pas l'argent. Et les kits électoraux ne sont pas venus. La formation de ces personnes qui doivent travailler dans des bureaux ne sont pas encore faites. Est-ce qu'en 4 mois, il y aura élection? Et une certaine opinion pense que nous pouvons nous mettre autour d'une table, aller dans une transition de 12 à 18 mois, pour permettre à la CENI de bien organiser les choses, surtout que certains électeurs ont perdu leurs cartes, certains ont leurs cartes, mais sans leur nom, parce que ça s'est effacé. Ils ont réouvert des bureaux dans les communes, et tout cela, il y a la situation sécuritaire à l'Est, toutes ces contraintes-là peuvent faire en sorte qu'en 2023, que nous n'ayons pas des élections, et que nous ayons des élections en fin 2024 ou en 2025. Est-ce que l'ensemble pour la République partage cet avis de la transition en République démocratique? Non, Ensemble pour la République ne peut pas soutenir des élections qui doivent se tenir en dépassement du délai constitutionnel. Nous voulons les élections. Félix Tshisekedi est président de la République. Il a été désigné pour diriger le Congo pendant 5 ans. Le 24 janvier 2024, Félix Tshisekedi doit faire la remise et reprise avec une autre personne qui sera choisie pendant les élections. Et pour nous, cette personne, c'est Moïse Katumbi Tchap. Donc, nous disons ceci. Et puis, si on veut aller au dialogue, tout le monde connaît ici que M. Félix Tshisekedi et sa famille politique ne respectent aucun accord. Tout le monde le sait. Qui voudra se mettre sur la table avec eux?
Avec le FCC, ils étaient dans cette coalition. Aujourd'hui, ils se sont séparés. Il était avec les autres à Genève. On a choisi un candidat commun. Lui, s'est retiré. Finalement, c'est quel qui peut faire confiance à des gens qui ne respectent pas leur engagement. Nous, nous disons que ils nous ont rassurés qu'on aura les élections. D'ailleurs, Félix Tshisekedi nous avait dit qu'avec lui au pouvoir, on aura les meilleures élections possibles. Alors qu'il nous offre ces meilleures élections possibles. Donc nous disons que le mandat de M. Félix Tshisekedi s'arrête le 24 janvier 2024. Ça veut dire que les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels parce que, avec la souffrance du peuple, avec le manque d'emploi, l'insécurité, il est urgent de mettre fin à ce régime et de placer des personnes qui viendront faire un travail sérieux au sommet de la République. C'est ce que nous voulons. Donc, nous, notre position actuelle, c'est d'aller aux élections et de les remporter. Voilà. Merci. C'est par ce mot de M. Christian Mayassi que nous bouclons cette émission. Vous comprendrez que chacun défend la République démocratique du Congo, mais en sa manière. Tout ce que nous disons sur ces plateaux, c'est pour permettre à la République d'avancer. Vous qui pensez que vous avez une pensée contraire à ce que M. Christian Mayassi est venu de dire, appelez-nous au numéro affiché au bas de vos écrans. Nous serons toujours là pour vous recevoir et essayer de discuter avec vous parce que nous avons besoin aussi de vos pensées. Ce n'est pas parce que nous passons à la télévision que nous sommes supérieurs ou nous sommes extra. Vous qui nous suivez aussi à la maison, vous pouvez avoir des pensées qui peuvent permettre à la République démocratique du Congo d'évoluer. Je m'en veux dire merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés à ces jours. Vous qui nous avez pris à la fin ou à cours de cette émission, au cours de cette émission, vous voulez suivre l'intégralité de l'émission, allez vous abonner sur Fondation Maloua Télévision sur YouTube et vous verrez cette émission et les émissions précédentes. On se retrouve demain avec d'autres invités avec le même plaisir. Bye bye.